Et c'est notre rendez-vous mensuel avec les équipes de SPAC. Chaque dernier vendredi du mois, à 17h45, décryptage d'un concept économique avec l'économiste Michel Rumi, associé de SPAC, qui est avec nous en plateau. Michel, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Donc le mois dernier, on parlait de l'inflation, concept majeur et d'actualité. On s'intéresse aujourd'hui alors aux cryptoactifs, aux cryptomonnaies. Très intéressant parce que là, c'est une des grandes nouveautés de ces euh, dernières années dans le, le paysage économique au sens large et le paysage financier euh, notamment. Qu'est-ce qui définit pour vous On commence à avoir un peu de recul quand même. Qu'est-ce qui définit pour vous, Michel, une crypto-monnaie Alors, euh, première des choses, euh, dans une première approche, on va dire que c'est un, euh, un actif qui s'échange entre pairs, c'est-à-dire sentir de confiance. D'accord. C'est-à-dire que, notamment, on ne on met pas les, les banques au milieu. Et donc, on s'échange, par exemple, des, de ce, ce type de, de, de support. On va dire cela comme ça. Mais en fait, y a, comme il n'y a ni monnaie, ni, pi, euh, ni billet, ni pièce, en fait, le transfert de propriété en fait, s'effectue à travers une technologie qu'on va appeler la « blockchain mmh. », qui permet de garder sous une forme de chaîne de blocs tout l'historique des paiements depuis le début de l'émission, on va dire. Sous forme décentralisée, sécurisée et transparente. Et la sécurité des, et l'authenticité, la validation de, de ces transactions, c'est fait, se fait à travers un, un processus de cryptographie qu'on appelle le minage. Et donc, c'est ce qui fait, qui caractérise un peu ce que c'est qu'une cryptomonnaie d'une certaine manière. Oui, cette blockchain qu'on peut définir un espèce de grand livre de compte ouvert inviolable. Tout à fait, tout à fait, pour... qui permet d'enregistrer voilà les transactions au fur et à mesure. C'est comme si on partageait des documents PDF donc inviolables au plus grand nombre à travers les outils informatiques qu'on qu connaît aujourd'hui. C'est comme lorsque par exemple pour prendre une analogie avec la vie de courante, c'est dès lors que la banque centrale a émis le billet. Sur le billet, il est écrit toutes les transactions que Grégoire a fait, ouais. <laughs> si c'est ça, mais la centrale, oui, oui. puis avec Michel, puis etc. <laughs> etc. Donc c'est le livre de compte d'une certaine manière. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des caractéristiques alors spécifiques à, à, à signaler Et puis est-ce que ces crypto-actifs, ces crypto-monnaies sont reconnus Dans quelle mesure ces actifs sont reconnus aujourd'hui c'est ça le grand problème. Elles sont, euh, elles, on les appelle crypto-monnaies, mais elles ne recouvrent pas la fonction, les fonctions traditionnelles des monnaies. C'est ça qui, qui fait que on, on est un peu. Alors, les fonctions traditionnelles, c'est le prof qui parle, ça va être étalon de mesure, c'est-à-dire qu'on peut exprimer tout, tout bien en une monnaie, donc l'euro ou dollar, mais on peut aussi l'exprimer en bitcoin. Par contre, il y a deux autres euh, fonctions traditionnelles qui sont notamment la réserve de, champ, la réserve de, de, réserve de valeur. Ouais. Hein c'est En fait, le fait, c'est, on répond à la question, pourquoi gardez-vous aujourd'hui votre billet de 20 euros, voire plus, euh, et que vous allez le garder cette semaine, etc. Parce que vous avez une conservation du pouvoir d'achat. Et cela n'est pas dû, en fait, avec les, les crypto-monnaies parce que, euh, une grande, du fait de la grande volatilité. Et puis également aussi, vous avez une fonction d'intermédiaire dans les échanges. Et intermédiaire dans les échanges, c'est lorsque vous achetez quelque chose, eh bien, il faut que lorsque, en contrepartie du bien que vous allez acheter, la, pers la personne à qui vous avez donné l'argent accepte le moyen de paiement. Que ça soit, imaginez, si vous rentrez ce soir, vous, sou vous souhaitez acheter votre baguette et vous donner des crayons. Le boulanger ne sera pas d'accord. Donc, c'est pareil un peu avec la, la, les crypto-monnaies. Tout le monde n'accepte pas les, les, les crypto-monnaies. Et donc, ce n'est pas un intermédiaire dans les échanges. Donc, on voit déjà que deux fonctions sur trois ne sont pas acceptées. Puis, en même temps, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'émetteur agréé de cette monnaie. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, cette monnaie n'est pas reconnue par la Banque centrale. Notamment, ces crypto-monnaies ne rentrent pas dans le champ de surveillance de la Banque centrale. Et donc, pour toutes ces choses, on peut ouais, dire ouais. qu'on qu peut pas appeler crypto-monnaie, mais plutôt crypto-actifs, et que si on devait le, les, les classifier dans la, les compartiments des marchés de capitaux, ça relèverait plus des commodities que du marché des changes, ouais. plus proche de l'or même peut-être voilà. d'une certaine manière Tout que du fait. marché des Comment vous évaluez le, le risque qui est porté par ces crypto-actifs, cette nouvelle classe d'actifs Alors en tant qu'économiste, alors là, il y a, alors. Pour l'instant, du fait de la. Il y a une faible interconnexion entre les crypto-monnaies. Alors, je vais... oh non, si j'utilise crypto-monnaie, bon, Oui, euh, non, euh, non, là... mais on... c'est une simplification qu'on peut s'autoriser, ouais. parce que sinon, <laughs> ça devient compliqué. Du, de... du fait de la faible, faible interconnexion entre les crypto-monnaies la... et, la... et la vie réelle, on va dire cela, il y a, une faible... Il y a un faible risque pour l'instant d'instabilité stabi... financière. Ce n'est pas un risque pour le système financier aujourd'hui non, non, en même temps, quand on regarde le, par exemple la, la capitalisation du marché, c'est 3 000 milliards de dollars, il y a bon, pour 11 000 à peu près crypto-monnaies, donc il y a pas assez, on va dire c'est pas quelque chose de fortement déstabilisateur, mais à supposer... Qu'il y ait un grand essor dans l'usage des, 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 des crypto-monnaies, ça peut poser notamment euh, des problèmes au niveau de l'application de la politique monétaire. Par exemple, si du jour au lendemain, on, on, on échange par exemple beaucoup d'euros contre le bitcoin, pour faire simple, et puis d'un seul coup, euh, le, pour des raisons de défiance, on se démarque. De, du Bitcoin et on veut demander 2 des, des, des euros, d'un seul coup on voit dans le monde réel beaucoup d'euros de, et ça peut déstabiliser un peu, notamment l'inflation et la croissance que, que vous avez abordé précédemment. Ouais. Donc ça peut poser ce type de problème. Également aussi, bien sûr, il y a le risque en capital du fait qu'il euh, y, y a de fortes instabilités. Donc aujourd'hui on voit apparaître certains stablecoins, mais qui rassurent d'une certaine manière. Qui sont elles donc liées à des devises, des monnaies fiduciaires hein, Voilà, ça tout à fait. Non. Et qui fait que, quoi qu'il advienne, si vous achetez des bitcoins contre un stablecoin, ce que le, euh, le bitcoin augmente ou baisse, eh bien quand vous échangerez, vous aurez toujours la même somme, d'une certaine manière. Donc, c'est rassurant pour euh, les investisseurs qui ont peur de cette volatilité. Mmh. Puis, en même temps, train de stratégie en fait d'investissement c'est que lorsqu'il y a des turbulences sur le marché, eh bien vous pouvez acheter ces stablecoins en attendant que le vent passe, et puis vous revenir sur le marché, puisque vous savez que vous conservez votre, la valeur en capital. Voilà. Quel avenir vous imaginez pour ces crypto-actifs, crypto-monnaies, comme on le dit d'ores et déjà aujourd'hui, sans qu'elles soient voilà. purement théoriquement des, des devises et des monnaies Eh bien, alors si on regarde ce qui se passe, c'est que déjà les, toutes les institutions financières, plus ou moins, ont des fonds d'investissement dédiés à ce type, de, 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 je dirais, d'actifs. De, de, de Donc déjà, il euh, n'y a pas de fumée sans feu, on va dire ça. Puis également aussi, il y a une autre fumée qui est plus intéressante, c'est toutes les monnaies digitales de banques centrales l'euro numérique, le yuan numérique, etc., qui euh, risque de d'engranger de, 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 et de développer ce type de, de support. On s'intéressera plutôt à la blockchain, beaucoup plus qu'on va dire qu'au Bitcoin. Et donc, il est vrai que la blockchain, qui est vraiment la valeur ajoutée dans, dans ce principe-là, mm -hmm. intéresse. Et puis également, vous avez, euh, récemment, par exemple, Facebook a créé sa Diem et Libra, qui là aussi, aussi donnent un essor à, à ce type de monnaie. Ouais. Et donc, il y a, on va dire qu'il y a un bel avenir. Bon, il faut aussi avoir un bon cardiologue si vous spéculez, si vous spéculez sur les, les bitcoins. Ouais. Il ne faut pas regarder tous les jours. Faut voilà, pas regarder trop souvent. Non, mais vous dites c'est intéressant parce que effectivement on voit des banques centrales et notamment alors Benoît Curé est l'emblème au sein de la Banque des règlements internationaux qui essaye d'accélérer un petit peu la prise de conscience du côté des, des banques centrales parce qu'il dit euh, voilà c'est maintenant qu'il faut vous occuper de ce sujet. Alors peut-être en matière de supervision pour les cryptos et puis pour développer vos propres monnaies de banque centrale. Numérique, euh, les, les monnaies, l'euro numérique, le yuan numérique, est-ce que ça va signaler la fin des crypto euh, devises du bitcoin? Non non, 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 non. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on voit, il faut toujours comprendre que la finance avec un grand F a toujours suivi les évolutions technologique, que ce soit euh, les, les, les on va dire euh, les billets auparavant, la carte bancaire, et aujourd'hui il euh, y avait l'internet, maintenant c'est les, les, on va dire les, 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 le support de la blockchain. En fait, l'euro le, numérique ça va être Quelque chose de parallèle à, à, à l'euro, simplement, je parle de l'euro, oui, oui, oui. dans l'idée où, en fait, on pourrait détenir ce, ce, ce type de crypto-monnaie, mais avec un compte directement à la Banque Centrale, il sera sécurisé, donc il n'y a pas de problème. Le problème qui peut surgir, c'est que les banques commerciales disent bah oui, mais du coup, bah nous, comment on fait gagner notre argent Et d'autre part, euh, parce que bah, du coup, il euh, n'y a pas de frais de compte, on va dire ça comme ça, et puis également aussi, en cas de turbulence, eh il y a un refuge à la Banque Centrale. Et donc, aujourd'hui, on envisage plutôt qu'un euro numérique avec un, un montant, un plafond d'une certaine manière, ou à peu près 3000 euros, où on ne pourra pas excéder. Et si vous mettez plus, vous avez des commissions, histoire de permettre à tout le monde, de, que le soleil brille pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Non, mais on voit bien aussi les réflexions qui sont menées chez les banquiers centraux dans... La gestion des crises, c'est-à-dire que ça peut être un outil de pilotage de la politique monétaire d'une finesse incroyable. C'est-à-dire que l'euro numérique émis par la banque centrale dans votre portefeuille coffre-fort numérique à la banque centrale, on pourra décider qu'il a une date limite d'utilisation. Euh, ah, par bah exemple, oui, oui. on pourra décider qu'il ne pourra être utilisé que pour consommer certains euh, types de produits. Euh, ah oui, oui, mais tout à fait. Mais ça, ça d'une certaine manière, euh, le discours rapproche un peu aux monnaies locales où on fait, on fait oui. des monnaies fongibles, etc., pour dynamiser. Non, mais c'est pour ça que je dis que ça, on revoit, les, les, ça va changer un peu la manière de, 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 de piloter l'économie, d'injecter les liquidités. Et, mais pour l'instant, on regarde... De, de, L'idée, c'est que déjà, on appuie beaucoup sur la blockchain, parce que je pense que dans l'avenir, la blockchain va ouais. un peu révolutionner, le, le, on va dire, certains métiers. Et donc, il faut s'habituer. Comme le portable, le téléphone portable, le mobile a changé, et de même que le portable aussi, euh, euh, ordinateur a changé. Donc c'est ça qu'il convient de voir, et que ce, ces blockchains et ces cryptoactifs risquent aussi de modifier un peu la façon de, de, de on va dire, l'économie monétaire et et financière. Ça, au fur et à mesure où les usages vont se multiplier et vont être euh, expérimentés, mis à l'épreuve, alors euh, blockchain, c'est aussi euh, ce qui génère les NFT aujourd'hui. Hein. Oui, voilà, par exemple. Donc on voit que les usages. Grand public notamment, sont en train de se, se multiplier ah oui, de dans, euh, et de s'ancrer et de créer des révolutions euh, de ce point de vue-là. Tout à fait. Et si on regarde un peu le marché des de, de crypto-monnaies au sens large, eh bien on, on retrouve à peu près la même structure et ouais. les mêmes risques qui se trouvent sur des marchés traditionnels. Et c'est ça qui, qui convient de voir qu'il faudra s'habituer à, à un nouvel actif ouais, comme ça, de cette manière. Cycle d'adoption qui est en train de, de mûrir fait. autour de la technologie de... blockchain et de ses applications, dont les, les crypto-monnaies. Qu'est-ce qui fait bouger les crypto-monnaies euh, ou les crypto-monnaies ah, euh, euh, est-ce Est qu'on a trouvé enfin une corrélation avec quelque chose mmh. ou pas non corrélation pas au sens euh, en fait l'idée c'est euh, première des choses c'est euh, que des déclarations de personnes ayant une grande influence on va rester ce sont des influenceurs on a vu ce qui s'est passé avec Elon Musk bien sûr mais on voit également aussi lorsque les banques centrales euh, interdisent ce qu'on a vu avec la Chine ou avec euh, oui. ou, ou compartiment ou réduit l'influence de l'utilisation de ces crypto-monnaies, eh bien ça fait monter ou descendre. Ça c'est déjà quelque chose d'élément, on va dire, intangible. Également aussi, il y a le sentiment de marché. Si vous avez certitude, s'il y a un grand sentiment de marché que ça va monter, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de cela. Et donc c'est déjà ces deux éléments qui font qu'on euh, va avoir, euh, il faut suivre. Après... Tout dépend de la stratégie, on va dire. Est-ce qu'on est sur long terme, sur court terme Après, il euh, y a aussi des instruments qui viennent. On voit qu'il y a des marges à terme, on voit des stable coins. Donc ouais. après, on commence à peaufiner sa stratégie. Non plus, euh, peut-être, on a des ETF également. Donc on n'est pas nécessairement euh, investi directement, mais on peut s'intéresser aux variations de cours. Quoi. Bon, effectivement, une classe d'actifs qui gagne en… En densité, en maturité, même si ça reste quand même très jeune et oui. petit encore à l'échelle des marchés financiers globaux aujourd'hui. comme je dis toujours, imaginez, il y a, il y a, dit, il y a près de 12-13 ans, le bitcoin qui valait 14 cents, c'est maintenant ah. ce qu'il vaut. <laughs> voilà. Donc, on va ce voir. ce qu'on a raté depuis. Merci beaucoup, Michel. Merci, <laughs> merci d'être avec bientôt. nous chaque dernier vendredi du mois, je le rappelle, pour ce décryptage éco, économiste associé de SPAC. Le thème du jour, c'était bien sûr celui des cryptos dans Smart Bourse sur Bismarck. Très bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct.